vous voulez bien me faire l'honneur de me suivre. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici? La vache. Ils sont lourdement armés. J'ai cru que j'allais cogner un... C'est trop risqué. Tu es calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver. Nous devons plus. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Les trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait pour nous. C'est un saint, frère. Un saint. L'université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Les livres. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, Var. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Aucun rat? C'est étrange.
où c'est ouvert. Assez de livres ou je vous en mets plus? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Ah, c'est de la lecture païenne tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines. Et ce savoir peut toujours sauver. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre à la couverture rouge. Il le cherche aussi. Je peux pas lire. Je dois faire vite. Pas stupide. Ces putains de races. Voilà les roses. Leur trou. Je suis sur la bonne voie. Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. C'était quoi ce bruit? Je dois me débarrasser des cartes pour pouvoir passer. Ici, avec moi. Vous en avez pas marre? Le monde.
Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier? Eh ben, ils vont peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Il y a trop de gardes. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? J'ai cru entendre quelqu'un. Je reviens. Sois prudent. Y'a rien. Calmez-vous. D'accord. Il faut que je fasse sortir les rats de la pièce. J'ai vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Pas mal. Pas mal du tout. Ça va me simplifier la vie.
rebelle, du jeune Hugo de Rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénévent. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Vite, je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein ? C'est toi qui dis ça ? Ou alors toi tu vas ? Laisse ce port, madame. Quand on aura le livre. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa foi le lui permet. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de Rune, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés. Qu'est-ce que... Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Tu joues des gaillards, mais crois-moi, une fois qu'on aura taillé assez profond, tu chialeras comme tous les autres. Oh, j'ai hâte. Alors, tu reconnais ? Ça te rappelle ton père ? Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Je veux jouer à ça. Allez au travail ! Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Ah, il doit y avoir un moyen.
Allez, bouge-toi! On a besoin de ce livre. Ça fait deux jours que j'en rêve. Je sais pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Oh! D'arriver, et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et allez, et voilà, ramène-toi. L'alerte est donnée, ils vont plus nous lâcher. Arrêtez! Par contre, c'est le reste de la gare. On va où comme ça? Réfléchis pas, cours. Un seul cul-de-sac et on est fichu. Il faut qu'on se planque! Non, il faut qu'on les ralentisse. Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Ouvrez! Roderick, j'ai besoin du livre. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterais pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Coincé. Tu m'aiderais avec ça? Ouais. Intéressant. Les étagères forment une coursive. À ton chemin jusqu'au livre. Facile. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici.
Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Rodrick ? D'accord. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Parfait. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Papa. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veille sur le Sanguinis Itinera. Maintenant ! Ouais. C'est trop calme. Où sont les soldats? Maintenant! Ça roule. Il faut que tu bouges, Amicia. Arrête. D'accord. Bien, tu peux venir. Attends ici. Je bouge pas. Maintenant ! Ouais. Trop bas. Faudrait quelque chose dessous pour l'empêcher de descendre. Je vais trouver. Non, arrête-toi ! De suite. Ah ! Allez, avance ! Hé ! Te fais pas mal. Tu veux que... Non ! Mon frère ! Je lui dois ça ! Pour tout le temps ! Où j'ai pas été là pour lui ! Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Vas-y. D'accord. Eh ben, si ça c'est pas de l'amour... Allez, il faut qu'on en finisse. Rodrick ? Ça roule. C'est bon, arrête. Ouais. Rodrick ? D'accord. Ah.
J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre, j'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petit idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu dégénérer à ce point? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Tu t'en charges, Rodrigue. Ça, c'est pour mon père. Waouh! Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. C'est quoi ce vacarme? Il est pour toi. Toi, t'es fini. Beau travail. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. J'aime pas rester à deux. Comme ça. On s'en prend un chacun, ça te dit? Faut bien qu'il fasse celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Occupe-toi de lui. Tu vas me le payer. Parfait. Joli. J'y suis peut-être allé un peu fort. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent... la cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Merde. C'est nous qui avons... Propage,
Le Grand Inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi ! Allez voir ! Et donnez l'ordre d'évacuer ! Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rat ! Il manquait plus que ça ! Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Rodrick. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Mon livre. Oui. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Hein ? Merde ! Hé ! Tu crames ! Tu crames ! Oh putain ! Non ! Non ! Non ! Ça va ? Il y a encore du monde dedans ! Ouais, j'ai cru que... J'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Deux gardes. On doit en faire bouger un. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Vraiment entrer là-dedans. Oui, si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi. Fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Oh, Seigneur. À l'aide ! J'ai une fontaine d'ici. Allez, allez ! Elle, tu m'entends ? Réveille-toi ! Verrouillé. Ça brûle derrière. T'approches pas. Qu'est-ce que tu fais? Je... l'ouvre. Rodrick, est-ce que ça va? Cours. On y est presque. Merde. À gauche. Allez. Par ici.